Vous vous attendiez pas à me voir, hein? Ouais, non, moi non plus. Mais il se trouve que je suis tombé par hasard... Oui, je lis de la jurisprudence pendant mon temps libre. Ça pose un problème? Bref, je suis tombé sur quelque chose qui est tout à fait de circonstance. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est Noël! Ou le solstice d'hiver, pour ceux qui veulent fêter ça plus sobrement. Joyeuse fête, tout ça, tout ça. Et j'espère que vous aurez reçu plein de cadeaux. Est-ce que vous en avez reçu de votre employeur? C'est plutôt rare, hein? Vous voulez savoir pourquoi? Dans notre jurisprudence impromptue, qui n'est pas toute jeune en fait, hein, nous avons une entreprise très généreuse qui, à l'occasion des fêtes de Noël, veut faire plaisir à ses salariés et leur offre des cadeaux. Bon, les cadeaux en question, c'est des bons d'achat, hein, pas les boîtes en carton qu'on imagine habituellement, mais ça compte quand même. Mais toute bonne chose ayant une fin, il a fallu que l'administration s'invite à la fête. Et oui, après une petite visite surprise, notre très chère Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, URSSAF pour les intimes, cette dernière décide de redresser l'employeur tout gentil. Mais pourquoi est-elle si méchante? Parce que... Les cadeaux d'entreprise sont assimilés à de la rémunération, en fait, hein. Et comme pour toute rémunération, eh bien, il faut cotiser. Vous savez, cette subtile différence entre votre salaire brut et votre salaire net. Mais c'est pareil, il faut faire cotiser les cadeaux! Mais comment on fait? Genre, on coupe un bout du chèque? Non, bien évidemment, l'employeur va juste devoir payer un supplément à partir de la valeur du chèque. Joyeux Noël! Voilà pourquoi certains employeurs sont réticents à faire des cadeaux à leurs salariés. Enfin, des cadeaux en brut, hein. C'est toujours la même chose. On veut faire plaisir, et paf! Faut payer un supplément. Mais pour ceux qui en ont, des cadeaux, vous pouvez les regarder droit dans les yeux en leur disant « Merci, t'as payé pour ma retraite. » C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Sinon, si vous voulez inciter votre patron, vous pouvez lui dire qu'en dessous de 161 euros par tête, c'est exonéré de cotisation. Voilà, c'était le bonus de fin d'année. Moi, je vous dis à plus et passez de bonnes fêtes.